Hey, salut tout le monde, c'est SpecOps, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Battlefield 3, mais pas une vidéo comme les autres. Pourquoi? Déjà, je vous dis ça, là, mon premier respawn et je me fais tout de suite flinguer, c'était un mauvais départ, mais vous allez voir que ça va aller mieux. Donc pourquoi un gameplay différent des autres, puisqu'on est sur un de mes gameplays, hein, je vous le dis. Mais pourquoi un gameplay différent d'habitude, puisque nous sommes sur le mode maître d'armes, le nouveau mode qui est apparu grâce à Klaus Carter. Donc Klaus Carter qu'on peut bénéficier maintenant sur PC que à l'aide du Premium. Donc vous allez voir que Klaus Carter et Premium vont être les sujets d'aujourd'hui. On va parler un petit peu de ça, je vais vous dire ce que je pense de Klaus Carter, ce que je pense de Premium et autres. Enfin vous allez voir durant la vidéo. Et puis on va finir sur un débat qui n'en est pas forcément un comme la dernière vidéo. C'est plutôt un partage et puis question. Enfin vous allez voir. Vous allez voir quand on prendra ça en compte. Alors donc, nous sommes sur ce gameplay donc en mode maître d'armes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mode de jeu, là j'avais un bug de souris, c'était assez bizarre, mais j'ai réussi à l'avoir. Donc le mode maître d'armes, en fait, c'est un gun game, tout simplement. Alors le gun game, j'avais découvert ça sur Counter-Strike Source, donc c'est le principe de commencer sur une première arme, généralement l'arme la plus faible, et puis à un ou deux kills de cette arme, on passe à la suivante, et ainsi de suite, pour arriver donc à un certain nombre d'armes. Et puis là j'étais bloqué dans la fenêtre, et du coup je me suis fait attendu par l'autre, un GG à lui. Et on arrive souvent donc aux meilleures armes là, à la fin, et puis c'est surtout plutôt meilleures armes et armes plus difficiles à tenir. Par exemple dans ce maître d'armes de Battlefield 3, on finit donc sur le lance-grenade qui est une extrême bouse, ça je vais vous en parler après quand on y arrivera, et on finit sur un cut qui clôt le mode de jeu. Donc ce gun game donc de Battlefield 3, franchement, j'adore. Ça m'a fait redécouvrir le gun game, puisque je vous dis que j'avais découvert sur Counter-Strike Source. J'avais adoré, c'était un mode de jeu franchement qu'il faut pas faire tout le temps, puisqu'après ça devient un petit peu saoulant, mais c'est vraiment bien pour varier de ce qu'on fait d'habitude, et c'est vraiment assez sympa à faire et assez rigolo. Et donc j'avais continué à jouer au gun game par exemple sur Black Ops et Modern Warfare 3, puisqu'ils avaient pris en compte ce mode de jeu et l'avaient instauré dans ces deux jeux. Et franchement ça m'avait fait un goût amer, puisque j'avais pas du tout aimé dans ces deux Call of Duty. Et là je le redécouvre donc sur Battlefield 3, et ça me fait énormément plaisir de retrouver ce mode de jeu, puisque là, dans Battlefield 3, je l'adore. Je trouve qu'il est assez bien fait, et c'est un mode de jeu qui est vraiment toujours sympa à jouer. Alors donc, dans ce mode de jeu, vous allez également voir durant le gameplay que y a des armes, bien évidemment, que j'arrive à utiliser très facilement, et d'autres par contre où j'ai du mal. On va voir ça au fur et à mesure des armes. Là je suis au 44 Magnum, c'est une arme que j'ai l'habitude d'utiliser, donc ça va être assez facile à utiliser, puis à passer durant ce gun game. Mais vous allez voir vraiment qu'il y a des armes où je vais avoir des extrêmes difficultés à passer. Pas forcément extrêmes, je parlerai plutôt extrêmes pour le lance-grenade, qu'on verra tout à l'heure. Mais vraiment il y a des armes où c'est pas vraiment des kills faciles à faire, puisque c'est des armes tout simplement que je n'utilise pas. Donc forcément comme ça, à froid, et ben c'est assez difficile à faire des kills. Alors parlons de Klaus Carter. Donc Klaus Carter, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, il faut savoir que Klaus Carter, c'est un DLC qui a été aimé ou pas. C'est vraiment du oui ou non. Pourquoi? Parce que Klaus Carter, c'est des petites maps. On est sur vraiment des petites maps, pas à la Call of Duty, je dirais, parce que c'est pas du Call of Duty, hein, faut le dire. Mais c'est de la map assez resserrée, puisque par rapport à un Battlefield habituel, enfin des maps de Battlefield habituelles, nous n'avons pas de véhicules et les maps sont forcément plus petites. Donc forcément c'est assez différent, puisque pour les vraiment ceux qui adorent Battlefield, les joueurs invétérés de Battlefield, eh ben ils vont pas aimer, puisque forcément ils ne retrouvent pas leur véhicule et leur grandeur de map extrême. Ils vont pas aimer.
Alors que moi, étant pas forcément un joueur invétéré, je dirais, de Battlefield, je suis un joueur assez. Comment dire, c'est. Voilà, je varie pas mal de jeux. Même si, quand même, c'est Battlefield mon FPS préféré, je varie quand même, je joue pas que à Battlefield. Donc, forcément, Klaus Carter, je l'ai aimé, sachant que j'aime beaucoup quand même me faire plaisir sur des matchs à mort par équipe, vous l'avez vu, remarqué. Forcément, donc sur Klaus Carter, j'aime le match à mort par équipe, les trucs vraiment où c'est resserré, des kills, où c'est du corps à corps, on est vraiment sur des corps à corps énormément, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Klaus Carter. Donc, moi, vraiment, de mon côté, j'ai adoré Klaus Carter, puisque ça permet vraiment de varier de ce qu'on voit d'habitude dans Battlefield, et les maps sont vraiment très sympas quand même, faut le dire. Sur des. Elles se ressemblent au niveau de leur agencement, mais au niveau de leur graphisme et autres, c'est vraiment pas du tout la même. Hein. On passe d'un temple chinois à un bâtiment, à un immeuble, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, vraiment pour conclure, ce Klaus Carter j'ai beaucoup aimé, donc vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce DLC. Je suis vraiment curieux de savoir si vous avez aimé ou pas. Pour parler de Premium, alors Premium, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors Premium, j'étais assez. Je me disais que j'allais pas l'acheter, puisque franchement, 50 euros, ça faisait beaucoup pour une chose qui n'est pas encore complète actuellement. Puisque pour l'instant Premium, ça donne que accès à Klaus Carter, puisque Klaus Carter est disponible dans la fin de juin pour les PCistes. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti, donc Klaus Carter, c'est que des personnes ayant le Premium actuellement. Vous le voyez, de toute façon, quand je me fais tuer, on voit le petit Premium en dessous du nom de la personne. Donc c'est que des joueurs Premium qui ont accès à Klaus Carter actuellement. Et ensuite, ça donne pas énormément de choses, hein. On a le reset de stats. On a des petites choses que nous donne DICE, mais c'est pas quelque chose de vraiment très complet actuellement. Ça le sera peut-être plus tard, puisque ça permettra d'avoir des DLC, tous les DLC d'un coup. Mais bon, en y réfléchissant, je me suis dit qu'en jouant quand même très régulièrement à Battlefield, et en y jouant vraiment pour longtemps, je me suis dit que le Premium, ça servirait à quelque chose, puis ça me permettrait de garder mon argent et de me dire que j'ai utilisé l'argent actuellement, je n'aurais pu à le réutiliser plus tard. Ça sera, je suis tranquille, c'est fini, plus d'achat. Normalement, c'est ce qui se passera. Puisque si EA ou DICE ne fout pas un petit coup méchant en nous sortant des trucs exceptionnels et qui sont pas, qui n'appartiennent pas au Premium. Et ben normalement on n'aura plus d'achat à faire si nous avons passé le premium. Donc pour moi c'est ça qui m'a fait décider d'acheter le premium. Donc forcément il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça comme un gros DLC qui se rapproche au Call of Duty Elite. Mais bon voilà, moi franchement j'ai fait le choix de l'acheter. Donc pour conclure, le premium c'est vraiment pour les gens qui vont jouer à Battlefield pendant longtemps et qui jouent beaucoup à Battlefield. Si vous êtes une personne de ce genre-là, acheter Premium, vous en serez pas déçu. Par contre, si vous êtes une personne qui a acheté Battlefield juste pour y jouer un petit peu, et puis y jouer pendant un certain temps qui sera pas forcément énorme, n'achetez pas Premium, achetez plus les DLC qui vous feront envie par la suite. Puisque le Premium ne vous servira pas, puisque c'est surtout pour les gros joueurs le Premium. Voilà donc ce que je pense du Premium. Dites-moi également dans les commentaires ce que vous pensez du Premium, puisque c'est également ce que je voulais savoir. Durant cette vidéo. Voilà, donc on a parlé du Premium et du Klaus Carter, deux grosses choses qui sont apparues donc dans Battlefield 3 en ce moment. Alors là, j'ai galéré puisque on arrive sur des armes, les fusils mitrailleurs. Alors les fusils mitrailleurs, il y en a une qui, celle-ci, que j'ai pas eu trop de mal à utiliser, mais celle-là, vous allez voir que c'est un fusil mitrailleur, mais qui différemment des autres, a un plus petit chargeur. Alors c'est assez bizarre parce qu'on se retrouve avec une arme assez différente de d'habitude, puisqu'on a la grosseur, la lourdeur, le style d'un fusil mitrailleur, mais on a un chargeur d'une arme normale. Alors ça fait que ça donne un truc assez bizarre, puisqu'on se retrouve avec des. Comment dire, on a envie, voilà, de full, comme un gros porc, comme d'habitude, avec un fusil mitrailleur, comme on fait habituellement. Et on n'y arrive pas, parce que regardez, je full, je me dis, bah allez, il va prendre ses balles, et non, puisque j'ai que.
Regardez. Hop, 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 je me dis, ils vont me prendre, ils vont me prendre. Et non, ils prennent pas. Et du coup, je dois recharger. Et je me fais malheureusement... Ah non, je me fais pas tuer, pardon. Mais on me sauve vraiment très... comment dire... Au dernier moment, j'aurais pu mourir puisqu'il aurait, il serait venu me tuer durant mon rechargement. Alors là, il me semble que c'est le premier sniper. Et c'est un sniper automatique. Donc, ça va, il n'y a pas trop de difficultés. Et comme on est vraiment dans la rapidité, il faut faire rapide pour passer aux armes suivantes. Et ben, je full. C'est pas du beau kill, mais vraiment pour arriver dans les premiers, c'est ce qu'il faut faire, puisqu'il faut vraiment faire les kills très rapidement. Il faut pas commencer à faire du kill super joli, headshot 360, enfin bon, non, il faut faire du kill pas beau, pas forcément joli, je dirais plutôt, pour arriver au dernier moment. C'est ça le maître d'armes, le gun game surtout, c'est vraiment la rapidité, pas forcément le kill extraordinaire. Vous me direz exactement aussi ce que vous pensez de ce mode de jeu. Et voilà également. Alors là j'ai fait un kill au snipe et là je vais galérer. Parce que voilà, on est vraiment, j'étais stressé parce que j'étais vraiment dans les armes égales d'une autre personne, de l'autre équipe. Et donc je me disais non, 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 il faut que j'y aille, il faut que je me dépêche, sinon je vais pas gagner. D'ailleurs donc, comme je l'ai dit, vous verrez si je gagnerai ou pas. Et donc toujours au sniper là, et j'essaye de me dépêcher de faire mes kills, mais c'est difficile. Regardez, là, je lui mets un noscope qui le touche, le snipe de Battlefield 3 est assez saoulant, puisqu'on fait des noscopes qui passent pas. Et là, je me fais tuer, donc c'est assez difficile, je dois me dépêcher de faire les kills, je suis dans un petit moment de stress. Vous voyez que je suis quand même assez rapide sur tous mes trucs, et là, bon, il est pas là, et je lui mets un headshot. Alors là, on arrive sur... cette chose. Alors là, c'est vraiment saoulant. Je vais me dépêcher de vous expliquer parce qu'après, il faut passer aux petites choses que je vais vous demander. Alors, cette chose, c'est le lance-grenade. Alors, le lance-grenade différent d'habitude puisqu'on le lance et la grenade prend 3 secondes à 4 secondes à exploser. C'est très saoulant à mettre et très difficile à faire un kill avec puisque on ne sait pas où le mettre. La personne bouge éventuellement pour ne pas exploser. Du coup, on ne fait pas de kill et c'est très saoulant. C'est impossible. Je fais des kills vraiment très... je fais kills. Les kills que je fais avec cette chose, c'est sans faire exprès. Donc, j'essaye d'en mettre n'importe où, mais c'est vraiment à faire pleurer les joueurs cette chose. C'est vraiment très énervant, je déteste cette arme. Dites-moi ce que vous en pensez, mais là c'est pas possible. Regardez, lui il était à la même chose et il galérait, on essayait de se tuer avec, mais c'est pas possible, vous voyez, moi je bouge et il faisait la même chose. Donc du coup on ne se tuait pas. Alors, la petite question que je voulais vous poser, c'est à quoi allez-vous jouer durant les vacances? Alors oui, puisqu'on arrive dans les vacances, là, il reste une journée pour les bacheliers. Puisque vous passez la dernière journée du bac. Mais après, qu'allez-vous faire durant les vacances? À quoi allez-vous jouer? Alors moi, je vais vous dire, j'ai 3 jeux qui sont prévus. Puisque j'essaye de varier durant ces vacances pour pas vraiment m'ennuyer et pas jouer tout le temps à Battlefield. Sinon, à un moment, je vais en avoir marre et ça va m'énerver. Du coup, bon, bien évidemment, je jouerai à Battlefield 3. Ensuite, j'ai acheté Max Payne 3, qui est vraiment énorme comme jeu. Alors, je vous le conseille énormément, donc je vais varier avec ça. C'est un TPS, donc c'est toujours du kill d'armes, mais c'est un TPS, du coup, ça varie énormément de Battlefield, c'est ça que j'aime. Et ensuite, j'ai APB Reloaded, je sais pas si vous connaissez, c'est un MMORPG un peu à la GTA, qui est gratuit sur Steam, qui est pas mal, comment dire, haï de pas mal de monde, mais moi je l'aime bien, quand on joue avec les potes, et ben on s'amuse, donc c'est le principal. Regardez, je suis encore avec la personne qui avait le lance-grenade comme moi, et on galérait à se tuer, c'était le gros Vince. Donc à APB Reloaded, j'y joue avec des potes et c'est vraiment très sympa, on fait des moments assez rigolos. Donc voilà mes 3 jeux, est-ce que vous aurez des choses à me conseiller, pour jouer ce week-end? Des jeux, des conseils de jeux que je pourrais acheter puisque mon anniversaire arrive, donc je vais avoir de l'argent, pourquoi pas acheter un jeu en plus? Donc dites-moi si vous avez des conseils comme jeu, et là, malheureusement, je donne le kill au M320 à cette personne et il va... malheureusement, cuté la personne qui était en train de le tuer. Et donc, je finis deuxième. Très malheureusement. Alors, je rageais pas mal, hein, faut le dire. Mais voilà, finalement, je finis deuxième. Ce n'est pas grave, j'ai fait quand même une bonne partie. Mais un gros GG à l'autre personne qui a réussi à cuter dans le feu de l'action l'autre. Un gros GG à lui. Voilà, donc à quoi allez-vous jouer durant les vacances? C'était vraiment c'était une petite question, donc c'est pour ça que je le fais à la fin de la vidéo. Donc répondez-moi dans les commentaires et puis vos conseils de jeu si vous en avez. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'est vraiment un mode de jeu que j'aime bien. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en gameplay.
J'espère que le gameplay vous aura plu. Laissez un commentaire, c'est très important. Laissez vraiment des commentaires, c'est vraiment le plus important. Comme je viens de le dire, je le répète d'une autre manière. Puisque c'est la chose que je préfère. J'aime bien avoir vous parler durant les commentaires. Donc vraiment, laissez un commentaire, un petit commentaire, même si c'est un tout petit, c'est vraiment très important. Allez, et puis laissez un petit pouce vert pour faire monter la vidéo dans les classements. Et puis un gros bisou à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.